Hey, salut tout le monde, salut c'est Léponge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA V Online pour la suite du nouveau DLC Los Santos Return. Donc je suis toujours dans le garage où j'étais. Donc avant de découvrir ailleurs, je me suis dit je vais voir un petit peu partout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici acheter la carte de membre auprès de Mimi, ok, bon. Faut que j'aille à côté de Mimi, je pense. Pour ah, il y a aussi de l'endroit pour le vêtement. J'ai acheté la carte. Ok, bon. Bon, il faut que j'aille à côté de Mimi. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Elle doit être en bas. Elle doit être en bas. Ah, il faut aller visiter tout le monde. Hein. Ici, c'est à côté de l'info. Voilà, je suis là. C'est bon. J'ai acheté la carte devant moi. Ça coûte 50 000 dollars. Ok, bon, je suis pas prêt de finir pour les achats, moi. J'ai pas fait. Voilà, c'est acheté, c'est bon. Un nouveau véhicule récompense. Ok, je viens d'avoir une nouvelle voiture. Je viens d'avoir une nouvelle voiture. Hop, il y a une nouveauté par ici. Ah, je peux même me tatouer. J'ai pas envie de me tatouer pour l'instant. Votre carte, ok, bon. La carte coûte quand même 50 000, hein. C'est pas une petite carte qui coûte à 2 000 dollars, mais 50 000 quand même. Donc j'ai un nouveau véhicule. J'ai vu tout à l'heure où est-ce qu'il était. Il est quelque part en bas. Du coup, je me suis perdu. Il y a même des voitures qui est cramée, qui est là, que ouais, j'ai vu tout à l'heure. Ah, il est par là. Augmenter votre niveau de réputation, vous donner accès à des vêtements exclusifs aux boutiques de Gucci. Gucci, ok. Bon, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Et comment j'ai fait pour accéder à ma voiture? Faut que j'aille prendre ma voiture. Ah, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure. Ok. Pour l'instant, je découvre, hein. Terminer le défi véhicule récompense accessible à partir du menu interaction pour remporter véhicule. Ah ok, donc chaque victoire on peut remporter véhicule des voitures comme en fin de compte comme sur la roue de la fortune, mais sauf que là c'est mérité. Ok, bon, j'ai fait des achats. Maintenant je vais aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Ah, il y a une voiture qui est là. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la voiture que je cherchais. Oh, comment elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je pense que je vais pas la customer. Je vais juste la... Enfin, je vais customer, je vais booster le moteur. Mais pas l'extérieur. Je vais laisser telle qu'elle est. Allez, je vais rentrer. Il faut que j'achète. Est-ce qu'il faut que j'achète? Mais non, mais non, mais non. Mais non, 135 000. Alors combien? Attendez, je compte 1 350 000. C'est du vol, ça. C'est du vol, ça. C'est pas une voiture que j'ai gagnée, ça. Mais non, ben bon, je suis obligé d'acheter. Hop. De toute façon, sur Los Santos, il y a... il faut tout acheter. Donc, du coup, je vais mettre où? Je vais mettre dans le garage sous-sol, non? Ouais, je vais mettre dans le garage sous-sol 3. Voilà, c'est bon. Ça y est, je suis ruiné. Entrée seulement. Voilà. Ma nouvelle voiture, ça y est. J'ai une nouvelle voiture. Je pense que je pouvais pas sortir si j'ai pas eu l'argent pour progression. Parce que je dois faire en progression. Ok. Oui, en revenant, je pense que je pouvais pas sortir. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y a un moyen de sortir sans acheter une voiture, mais je pense que je pourrais pas sortir si j'avais pas acheté cette voiture. C'est un petit peu une obligation d'achat, quoi. J'appelle ça une obligation d'achat. Allez, un petit drift. Voilà, mes amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en regardant cette vidéo. Je découvre de plus en plus de choses. N'oublie pas de cliquer sur le like, de faire partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!